tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui une petite vidéo sur YouTube, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment on s'est pas vu sur YouTube, mais on est toujours là. Une petite vidéo, on va découvrir des lunettes sur Shein. Je pense que vous avez vu au titre à la miniature. C'est bientôt l'été, j'étais obligé. Puis je les ai commandées, ils ont reçu en une semaine, même le samedi ils ont livré. Vous allez me dire vos choix, lesquels vous préférez, si ça me va bien, etc. Bon après là j'ai pas une tenue tu vois adéquate, mais ça arrive sur Instagram, n'hésitez pas à me follow, sur Snap, de partout. Likez, commentez, vous abonnez, c'est parti. Première petite paire de lunettes les frères. Les pas, ils m'ont pas livré dans ça, c'est moi qui les a mis. Regardez, tac, petite paire, glasses, des glasses classiques. Il y aura des photos qui vont s'afficher en même temps pour vous voyez vraiment ce que ça donne au soleil, parce que ça change de fou. Des petites lunettes, vous voyez le dégradé que ça donne. Regardez, tac. Bah en vrai même avec cette tenue ça passe de fou tu vois. Voilà des petites broches fines. Petit dégradé, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà quoi, tu vois. Au soleil, vous avez vu que le dégradé se voit 100 fois mieux. Voilà. Après, les gars, je vous demande mon avis sur Shein. Les paires de lunettes, c'est des lunettes tranquilles, tu les mets pour l'été. T'as vu? C'est pas des lunettes. Tu commences à les mettre. Je sais pas, à faire des trucs de fou avec, tu vois. C'est Shein, ça vaut le coup. Essayez de deviner le prix, je vous le dirai en fin de vidéo. Mais bon, moi je trouve que c'est rentable. Deuxième paire, c'est livré dans ça, hein, normalement. Vous voyez, voilà, dans des petites boîtes en carton. Ou parfois non, vous allez voir. Hop là, deuxième paire. Dans le même style aussi. Regardez. Des petites lunettes carrées avec des petits reflets bleu, violet. Non, violet, orangé. Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Hop là. Voilà, tu vois. Dites-moi ce que t'en penses. Après, voilà, moi, il faut pas trop que je les colle. Admettons, voilà, je les mets comme ça. Moi je trouve vraiment très stylé. C'est un mood tu vois. Faut juste avoir la petite tenue je trouve adéquate. Mais sinon voilà quoi. Celle là aussi un peu plus grande le carreau. Voilà le carreau est un peu plus grand. Mais c'est carré aussi. Faudrait que je trouve une petite étagère comme ça pour les mettre toutes mes lunettes. Ça va être magnifique. Troisième paire de lunettes. Ah ouais ceux là les gars. Les classiques. Des classiques et vraiment. Ah non c'est pas ceux là ok. Une petite paire de lunettes grise. Gris sombre. En fait, au soleil, on voit vraiment la couleur. Gris sombre avec une forme. Voilà. Regardez. Celle-là, il frappe. Hein. Oh, celle-là, magnifique. Vraiment, j'adore la coupe. Elle est un peu carrée et rond à la fois. Voilà. Vous avez vu? Et c'est vraiment très stylé. Juste celle-là, elle est dure à. Vous avez vu là? Les petites jointures, ça. C'est un peu dur. Un tout petit peu. Mais voilà. Celle-là, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup aussi. Avec un petit. Tu vois, un peu de gris ou quoi, tu mets ça incroyable. Quatrième paire. Le prix, les gars, il est fou. Hein. Quatrième paire. Ok, celle-là. Celle-là, tu peux la mettre avec tout. Voilà. C'est des petites lunettes carrées toutes noires. Voilà. Vous avez vu avec des broches assez grandes. Comme ça. Celle-là, tu vois, même avec ma tenue, là, ça passe. Et ça rend incroyable. Je vous jure, c'est insane. Celle-là, vraiment, ça, c'est le classique. Tu mets n'importe quelle tenue, n'importe quel habit, tu mets ça, t'es sûr que ça passe. Et en plus, ça va, les gars, même pour du Shein, ça protège un petit peu du soleil, tu vois. Ça réduit un peu la réduction de luminosité, j'ai envie de dire. Vraiment, pas mal du tout, celle-là aussi. Bon, la broche aussi est bien... Tu vois, c'est bien dur. Dernière paire, les gars, dans un sac, enfin, dans un beau petit sachet carrément plastique, en cuir même, j'ai envie de dire. Celle-là, les gars, je les ai vues sur Doumbé et ils étaient exceptionnels. La forme et tout, c'était trop beau. Du coup, je les ai prises. Tac. Les petites lunettes rondes avec les verres bleus. Regardez. Celle-là, je les ai mises aussi tout à l'heure. Incroyable. Même avec ça, ça passe. Tu vois, il y a un peu de bleu. Ça passe de fou. Voilà, dites-moi. Après, c'est normal que c'est un tout petit peu plus petit que les autres. Vous avez vu? Si tu compares avec ça, voilà, le vert, il est beaucoup plus grand et là, plus petit. Mais c'est le style, voilà. C'est le style avec là, les petits trucs en métal ici. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez ici, il y a des petits détails. Vous voyez les petits détails. Voilà, genre, vraiment, pour des lunettes Shein, les gars, je trouve ça exceptionnel, tu vois. Je les mets là, tranquillement. Oui, je vous lire la facture. Ah, bref. Vraiment, exceptionnellement, ces lunettes. Donc, j'en ai une. J'ai la petite noire en bleu. La petite full black. La petite paire de lunettes avec le dégradé comme ça. Dans celle-là, la toute fine. Voilà, la toute fine en dégradé de bleu, celle-là cette fois-ci. Et la dernière, qui est juste là. La grise, forme un peu rond, carré à la fois. Donc dites-moi laquelle vous préférez de tout ça. Je pense moi, ma préférée en termes de classique. Voilà, celle-là, elle est bien parce qu'elle va de partout.
En fait, je les aime toutes. Je dis la vérité, je les aime toutes, moi personnellement. Et plus j'en ai pris une pour mon frère, qui sont un peu comme ça. Vous avez vu, les verres en bleu et tout le cadran transparent. Je pense que vous avez déjà vu sur de partout. Et le prix, les gars, j'en ai eu pour 10 euros. 10 euros toutes ces lunettes. Est-ce que vous vous rendez compte? Certes, comme je vous ai dit, c'est pas des Ray-Ban, etc. qui te protègent de si à fond. Mais pour l'été, les gars, t'as 5, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 paires de lunettes, toutes les couleurs, toutes les formes, pour 10 euros, sachant qu'il y a celle de mon frère aussi. Donc, sinon, j'en aurais eu pour 8 euros, peut-être. C'est une dinguerie. En tout cas, voilà, dites-moi laquelle vous préférez. Je trouve, les gars, que c'est un bon petit investissement si vous voulez vous prendre des paires de lunettes. J'ai pas de sponsor, c'est rien du tout. Hein. Mais voilà, je vous dis, vous prenez une petite paire, 2 euros. Voilà, ça te va, ça te va, ça te va pas, tant pis, c'est 2 euros. Tu vois, tu peux la donner à quelqu'un, ou... mais bref, moi j'ai tout pris, il n'y a pas de taille et tout, tout me va. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en pensez des paires de petites lunettes. On va finir la vidéo avec celle-là, tu vois, elle va bien avec ma tenue. Donc voilà les frères, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On se capte dans pas très longtemps YouTube, très très peu de temps, restez à l'affût, des très gros projets arrivent, voire monter sur Paris pour des projets. Donc je vous dis pas trop, ça arrive bientôt. Bon allez, merci à tous les gars, on se dit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ciao, ciao, peace.